j'alterne entre les fessiers, tout ça. Merci beaucoup. Hello, hello tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai un peu mal dormi parce que j'ai plein de courbatures de ouf à cause du sport hier. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas aller à la salle, mais par contre, je vais faire mes abdos à la maison. Très important. Je suis trop fière de moi et du corps que j'ai réussi à avoir. On peut dire tout ce qu'on veut, mais toute la chirurgie esthétique, bon, à part mes prothèses, ma mère, puisque c'est des prothèses, mais vraiment, 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 c'est le sport qui rattrape mon corps. Et le fait que j'ai maigri, c'est vraiment l'alimentation. Rien d'autre. De compléments alimentaires, tout ça, pour couper les faims, pour essayer d'avoir moins de manque de bouffe. Mais je vous jure, les mauvaises langues qui disent « Ouais, merci la chirurgie », bah la vie de ma mère, vous savez, tout ce que j'ai payé en chirurgie, c'est barré. D'accord ? À la base, j'avais fait plein d'injections dans mes fesses, mais du coup, vu que j'ai maigri, j'avais réinjecté ma graisse, donc je l'ai perdue automatiquement. Comme vous maigrissez, même si vous avez réinjecté, ça reste de la graisse de votre corps. Donc du coup, le corps élimine. Enfin, logique. Donc, les mauvaises langues, j'ai envie de vous dire, les jaloux vont maigrir, si ça peut vous aider à maigrir. La vérité, je vous le souhaite si c'est votre choix. Voilà. Le fait de faire très attention à ce qu'on mange. Ah oui, parce que aussi, j'ai aussi des réflexions. Ouais, tu nous mets des restos, après tu nous dis la diète. Faut savoir que tous les plats que je vous snap, des fois, c'est pas les miens. Vous avez déjà snappé le plat de quelqu'un d'autre parce que vous le trouvez beau, parce que vous mangez dans un nouveau restaurant. Et que voilà, j'ai envie de vous faire découvrir les plats de restaurant que moi-même je fais. Mais c'est pas forcément mes plats que je mange, pour information. Et même si au cas où je mangeais, comment je vous dire, j'ai atteint mon but. Donc oui, il m'arrive de temps en temps de me faire plaisir, mais c'est pas pour autant que je le fais très souvent parce que on va pas se mentir que faut faire attention à sa ligne. Vous savez, avant c'était une phrase que genre je pouvais pas entendre. Ouais, je fais attention à ci, je fais attention à ça, non. Ben, c'était une phrase forcément, je ne comprenais pas parce que moi j'étais quelqu'un qui faisait pas du tout attention à son alimentation. Mais depuis que j'ai perdu du poids, j'ai pas envie de la reprendre et je vous jure que je fais très attention à mon alimentation. Vraiment, vous en avez même pas conscience. Bref, en tout cas, aujourd'hui, j'ai passé ma journée avec Monsieur J'aime Bien. On va aller se détendre. Aujourd'hui, on va rester ensemble. Et puis voilà, je suis trop contente. J'ai passé une bonne journée. Donc les filles, petit outfit du jour. Donc ça, à la base, c'est un ensemble de chez Mango. Je l'ai acheté hier. Il existe aussi en vert pétant. De toute façon, je sais pas comment ça s'appelle. Avec une petite jupe aussi de chez Bershka, je crois. Ou Mango, je sais plus. Faut que je regarde la ref et je vous dirai. Les collants, ils viennent de chez Calzedonia. Mes petites bottes de chez Bershka. Et j'ai mis un petit sac Fendi que j'ai pris à Valley Village. Du coup, Valley Village, il y a plein de marques. En fait, des modèles qui sont déjà sortis. Ou bref, moins chers. Incroyable. Donc, avec ma petite paire de lunettes LV, vous en pensez quoi ?